Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Scramble Battle of Britain sur l'Early Access. Cette fois, il est sorti en Early Access euh, il y a euh, une semaine et demie environ. Euh, J'ai pas pu faire la vidéo avant puisque j'étais malade. Euh, et donc, du coup, on va regarder un petit peu ce que propose le jeu maintenant qu'il est sorti. Jusqu'ici, on avait testé que la démo. Donc, Scramble Battle of Britain, pour ceux qui l'auraient raté, c'est un jeu où on va jouer euh, principalement les Britanniques, mais on peut éventuellement jouer les Allemands. Euh, dans, euh, pendant la phase de la seconde guerre mondiale où les Allemands euh, envoyaient des forces euh, aériennes pour bombarder Londres et euh, globalement attaquer euh, la Grande-Bretagne. Euh, du coup nous on va jouer les Britanniques, les Alliés en général qui vont essayer de stopper ces, ces attaques euh, dans un jeu de tactique, alors qui est assez euh, particulier, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les, la démo vous allez voir ça, puisque on joue en tour par tour en fait. C'est un jeu de bataille d'avions en tour par tour. Donc, il coûte 28,99€. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu trop, à moins que vous soyez vraiment un grand fan de, de cette période et, et des batailles d'avions, euh, puisque c'est quand même très qualitatif. Hein, il y a pas mal de paramètres à gérer, euh, pas mal de choses euh, qui ont été rajoutées. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de multijoueur, il n'y a pas encore la campagne. C'est un petit peu élevé comme prix, je trouve en tout cas. Euh, mais si vous aimez le style, euh, franchement, euh, ça, peut être, ça peut être un bon investissement. Il se joue à la manette avec un joystick, bien évidemment, euh, ou au clavier. Donc pour l'instant, c'est que du solo. Et euh, il est malheureusement pas en français, mais bon, il n'y a pas euh, masse de texte. Il vaut mieux être un petit peu familier avec les termes de l'aviation, mais c'est tout. On va regarder ensemble ce qu'il y a de nouveau. Donc principalement, dans les nouveautés euh, de l'Aerie Access, c'est le Squadron Leader. Avant, on avait déjà les missions. Donc, il euh, y a euh, un certain nombre de nouvelles missions qui ont été rajoutées quand même. Euh, le Dogfight Generator qui permet de générer des combats. Et un instant action, vous cliquez dessus, ça vous balance dans un truc random. Euh, sans que vous ayez vraiment le choix de quoi que ce soit. Et vous devez vous débrouiller. Le Squadron Leader, c'est pas une campagne, mais on s'en approche quand même un peu. C'est-à-dire que vous allez démarrer avec un roster de pilotes. Euh, côté britannique, donc. Et vous allez devoir tenir 30 jours avec votre roster de pilotes. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez devoir choisir un certain nombre de pilotes qui vont être ceux en charge de la veille. Qui seront mobilisés si jamais des, des forces ennemies sont détectées. Euh, mais qui peuvent très bien passer la journée à ne rien faire hein, si jamais il n'y a pas de, pas de scramble. Et euh, vous devrez les mettre à se reposer, les mettre à se soigner si elles sont blessées. Vous devrez gérer un, un minimum les avions, etc. Euh, donc, euh, on n'est pas sur une campagne, on, on est sur un. Enfin, C'est pas une campagne au sens scénarisé, mais euh, on est plutôt sur un genre de, de, de truc un peu à, à longue, longue distance où vous pouvez gérer vos, vos personnages. Euh, vos personnages vont avoir des compétences, des forces, des faiblesses, etc. Alors, il y a un petit, euh, un petit rappel de comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer ça, on va se lancer. Donc, en gros, chaque jour, au début de la journée, vous avez une phase d'assignment euh, qui s'appelle section assignment. Vous allez devoir définir deux sections, une section alpha et une section bravo, chacune avec euh, trois avions. Euh, et vos autres pilotes vont être on duty, mais ils ne vont rien faire de particulier. Éventuellement, vous allez devoir les mettre on leave quand ils reviendront de mission et qu'ils seront fatigués, donc pour le lendemain. Sauf si vous voulez vraiment les, les mettre à terre. Et s'ils sont blessés, vous devrez les, les mettre bah, à se soigner. Jusqu'à ce qu'ils soient en forme, et bien sûr, vous devrez faire avec bah, euh, ce que vous avez comme ressources. Historiquement, hein, la Luftwaffe était beaucoup plus nombreuse que les Britanniques, euh, donc c'était assez compliqué pour les Britanniques d'arrêter les, les, forces, les forces allemandes. C'est pour ça qu'il y en a quand même une paire qui a atteint Londres. Euh, et souvent, les batailles qu'on va faire, on va être en sous-nombre, c'est-à-dire on a trois avions maximum. Il y a peut-être des batailles où on envoie les deux sections, mais j'en ai pas vu. Euh, donc en général on a trois avions maximum, et en face c'est pas rare qu'il soit 5 ou 6, voire plus. Donc euh, ça peut être des combats assez compliqués, on n'est pas obligé de tout détruire, des fois on, peut, on doit pouvoir s'enfuir, etc. Mais on a quand même euh, la chance d'avoir la supériorité technique, globalement la plupart des Messerschmitt de l'armée allemande à cette époque là, enfin à ce moment là on va dire, euh, sont quand même recyclés, ils sont très nombreux mais quand même Techniquement plus faible, on l'avait vu dans la démo, hein, on, a, on est plus agile, on a des meilleures armes, euh, on est un peu plus robuste, c'est un peu plus facile de bien se placer, euh, mais bon, si on se fait prendre en sandwich entre euh, deux avions qui nous mitraillent dessus, il n'y a pas de miracle, hein, euh, on se fait descendre. Donc, vos pilotes vont avoir tout un tas de compétences, de 1 à 3, de ce que j'ai pu en voir. Il hein, y a des compétences négatives et des compétences positives. Un pilote peut avoir que des compétences positives, euh, ou alors que des compétences négatives, c'est totalement random. Euh, ici par exemple, on voit que euh, Quentin a qui et Richardson. Il a de la chance, ce qui fait qu'il il va perdre moins souvent des composants critiques quand il est touché. Euh, il a une coordination, alors il y a un bug sur coordination, c'est bien coordination et pas codrination, euh, qui est à peu près moyenne. Ce qui fait qu'il perd moins de contrôle euh, quand on lui donne des ordres. Et. Il gagne de la vitesse, enfin il gagne de l'accélération quand il va à une vitesse importante. Okay. Donc il va falloir qu'on trouve des gens qui sont adéquats pour être leader et d'autres qui sont adéquats pour les accompagner. Euh, lui il est plus costaud parce qu'il a ses critical components qui sont plus costauds, mais par contre il va moins vite. Il est uncoordinated. Lui c'est un wolf pack. Il fait plus de dégâts quand il est proche de ses potes. Ça pourrait être un bon leader avec une avérage coordination et en plus un 9 live. Il gagne des boosts de défense quand il, perd des, quand il perd des composants. On va le mettre là. On va lui mettre Piotr en copain. On va regarder un peu ce qu'on a d'autre. Alors là, on a juste un mec qui est un pilote naturel. Donc il a accès à tous les euh, contrôles. On va le mettre ici. Euh, Natural Pilote, est-ce qu'on a un mec Average Coordinateur Je pense que ça c'est pas mal pour, euh, pour des leaders. Alors on n'est pas obligé de tout remplir, on est juste obligé de remplir au moins un leader, mais on n'est pas obligé de mettre trois becs. On va commencer avec trois quand même parce que sinon euh, ça peut être compliqué. Lui il gagne de la défense quand il est outnumbered. Lui il a de l'extra défense de base. Résistant to control limitation. Et lui. Euh, il a de la, du contrôle réduction quand il n'est pas près de ses alliés. Alors du coup, ça va pas trop avec lui qui aime le wolf pack. On n'a pas un autre wolf pack à tout hasard. Il a telgator. Il est euh, plus rapide quand il est à l'arrière d'un ennemi. Ok. Bon, on va prendre celui-là. Allez, hop. On confirme les sections donc, pour la journée. Et donc là, voilà, la journée démarre. Il y a quatre phases de journée. Et à chaque phase, il va y avoir un jet de dé. Il y aura une bataille ou pas. Et bah direct, il y en a une. Ok, parfait. À 8h. Donc là, c'est la section Bravo qui s'y colle. C'est parti. Et euh, on affronte. On est, en, on est en 1 contre 1. Ok. On est en 1 contre 1. Parfait. Alors après, les batailles vont être euh, totalement similaires à, à ce qu'on a pu voir. Euh, dans la démo, hein, le, le gameplay de bataille est, euh, était déjà, euh, déjà complet. Donc au début on a une petite phase d'observation. On commence avec 3 Spitfire En face c'est des 100e Donc normalement on est, euh, on est donné gagnant sur un combat comme ça. En plus, globalement ils ont l'air plutôt euh, bien. Enfin on a l'air plutôt bien placé par rapport à eux. On est plus haut. On va pouvoir les intercepter de côté. Ils peuvent décider de nous affronter de face, mais ils seront en infériorité puisqu'ils seront en dessous. Alors il y a des bateaux maintenant en bas. Pour l'instant je ne peux pas descendre. On a l'air de commencer. On commence à 1457 mètres. Ok, très bien. Donc on commence relativement haut. Je... Maintenant on peut mettre le jeu en, en mètres. Avant on était limité euh, à... à des feats. Euh... Des feats par minute, des feats de hauteur, etc. Maintenant on peut, euh... on peut mettre des unités métriques. Comme ils disent. Ok, il y a des de tout le type for the player section, il trucs qui sont pas encore faits. Hein. Alors, c'est parti. J'ai peut-être un peu trop baissé le son parce qu'on n'entend on entend pas du tout le bruit. Normalement... Alors le clic-clic du menu ne sont pas adaptables. Mais normalement, il y a au moins un petit peu de musique pour l'ambiance. Et puis surtout des bruits d'avion. Alors, on va pouvoir, de manière identique à avant, hein, euh, jouer avec nos, nos, nos pilotes. Si on prend... Celui qui a le full range, vous voyez qu'ici là, il peut aller à fond sur toute, la, sur toute la gamme. Alors que si on prend lui, il y a certains trucs qui sont bloqués. Il a moins de, de capacité de, de manœuvre, on va dire. Et notre leader. Notre leader, c'était lui. Alors notre leader. Est-ce que je peux savoir qui est le leader J'aurais dû noter son nom. Euh, tac, tac, tac. Ok, c'est pas très grave. On peut choisir la cible qu'on va lui attribuer pour ne pas la perdre, pour la garder en vue euh, tout le temps. Et le, lui donner aussi l'opportunité de tirer sur, euh, sur une cible précise. S'il a la chance de tirer, il va essayer de tirer sur la cible qu'on lui a qu'on lui a set plutôt que, que sur une autre. Donc, alors, on va essayer de... D'attaquer de, euh, ce petit avion. Alors, je pense qu'on est beaucoup trop loin là. Euh, S'il décide de se tourner vers nous, euh, c'est pas inenvisageable. Alors, comme on passe en caméra libre déjà... Euh, tac, tac, tac. Live combat, non, c'est pas entré. Je ne me souviens plus. Pas très grave. Je pense que s'il décide de venir vers nous, on va quand même tenter une, une phase de tir à pleine vitesse pour le moment. Si jamais il décide de se tourner vers nous, il y a des bonnes chances qu'on les, qu les avoine quand même. Alors là, par contre, on est assez loin, mais on a plus de possibilités de, de manœuvre. C'est parti. On submit. Donc là, à chaque fois, on a un petit résumé. Hein. Et on commit. Alors, ok. On les a, semble-t-il, totalement ratés. Alors attendez, il faut que je me recale avec cet avion. Euh, J'aimerais trouver comment on fait déjà pour passer en caméra libre. Alors, le contrôle rebinding, c'est l'ancienne. Euh, caméra, caméra. Move free camera, c'est avec Shift. Avec Z. Shift et Z. Ah oui, maintenant bah du coup Z. Euh, ça ne peut pas être Z. Z ne peut pas être Z puisque Z euh, c'est ma touche pour euh... avancer entre guillemets. Alors c'est un jeu où franchement, même si c'est pas du temps réel, je pense que le joystick est carrément, euh, carrément justifié. Et malheureusement, je n'en ai plus depuis des années, mais euh, ce serait franchement pas déconnant quoi. Get modifier, ouais là, euh, free camera track selected, camera move up, oui c'est Q. Ce qui veut dire que ça devrait être W. W ça m'active mon tir, ok bon c'est pas très grave. Euh, visiblement ils sont en phase d'esquive, hein. Non, j'ai pas envie de. Enter planning. Oui, non, là c'est ça. Là je peux le gérer et il faut que je submit mon tour. Euh... Ouf, sympathique cette. cette ça, c'est la, la touche pour aligner la caméra sur le pilote. Excellent. Et ça, c'est pour couper le moteur. Ok. Alors il y a, y a plein de petits marqueurs rigolos. C'est pour choisir mais Pilote. C'est embête parce que la dernière fois je l'ai trouvé le bouton et euh, bien sûr j'ai pas fait la vidéo tout de suite et du coup je l'ai perdu. Bon, c'est pas très grave. Alors faut qu'on fasse gaffe à pas se rentrer dedans. Hein. Parce qu'on peut complètement euh, se détruire en se rentrant dedans. Alors c'est encore tôt pour tirer, on a pu voir. Donc on va essayer de se préparer à s'aligner. Ils ont l'air de vouloir euh, descendre, probablement pour prendre de la vitesse. Il y a tellement, tellement de, de variations de. J'y aille un peu en douceur avec celui-là. Allez, c'est parti. Ok, ils sont en train de se préparer à nous avoiner. Magnifique mouvement. On appréciera. Alors là, on est un petit peu juste. On va passer en half-moteur. J'aimerais qu'on puisse redresser un peu plus, mais c'est un petit peu short. Alors, tac-tac-tac. Euh... Alors, s'ils continuent comme ça, ils vont prendre un max de G. Hein. Mais probablement, ils vont dresser un peu moins fort pour essayer d'arriver en face de nous. Ouais, tirer sur celui-là me paraît judicieux. Je pense qu'il va pas, il va pas redresser aussi fort. Euh, du coup, moi. Alors normalement, il faut essayer de chercher un angle où éventuellement le, le la, la truc de visée devient verte. Pareil, là, je vais ralentir un peu. Oui, il est comme ça, c'est pas idéal, mais... Ok. Alors avec lui, on peut faire quasi un demi-tour complet. Alors par contre, il mange chaud rangé, hein, mais, euh... mais ça peut être rigolo. On va lui demander de s'occuper de lui du coup. On va essayer de faire un demi-tour complet, ça peut être marrant. Juste pour le plaisir, hein, c'est possible pour la démo, je suis pas sûr que ce soit totalement adéquat, d'autant qu'il va se retrouver un peu tout seul, mais tout seul dans le dos de l'ennemi, donc. Euh, ça peut se prendre. On va leur faire... Euh, alors là par contre on va y aller doucement. Là il a, il nous a déjà euh, il nous a déjà doublé. Hein, je peux pas vraiment euh, lui tirer dessus, c'est trop tard. Si je mets lui comme target. Non, ça sert à rien. On n'arrivera pas à se redresser suffisamment. On va y aller un peu plus doucement. Toi, tu as esquivé les tirs. C'est pareil. Il va falloir te préparer à faire demi-tour. Donc on va y aller. On va suivre le leader. On va remettre les gaz. C'est parti. Alors on va essayer de suivre plutôt toi, là, avec ton ton gros demi-tour de l'enfer. Ah, il est impressionnant son, son demi-tour. Il a perdu un petit peu du coup de... Ah, il prend, il prend hyper cher. <laughs> il prend hyper cher. On va couper un petit peu... Ouais, on va même couper le moteur pour, pour planer un peu et se mettre vraiment aux fesses de celui-là. Alors attendez, est-ce que je peux faire un truc intéressant Je suis pas tout à fait dans le bon angle en vrai. Donc là l'objectif c'est de redescendre, de redescendre en G. Hein. Alors, si je force comme un sac on voit que ça reste, ça reste là et donc que je vais continuer de perdre en endurance. Au bout d'un moment je vais tomber dans les pommes. Donc on va perdre un petit peu de vitesse alors si je me mets à fond non on va perdre un peu de vitesse et on va se préparer à à poursuivre celui-ci et avec les autres bah avec les autres il faut qu'on qu se replace tranquillement toi tu vas un peu fort là voilà s'il te plaît c'est pas la peine d'y aller comme un gros sac eux ils sont partis à l'ouest. Voilà, on continue à se réangler sans prendre trop de jet de préférence. Voilà. Alors, toi par contre, il va être temps de redémarrer le moteur et de me redresser cette trajectoire. On va tenter une phase de tir qui t'apprend quelques G. Pas pareil. coup on peut aller sans trop taper dans l'endurance. Allez, c'est parti. On voit déjà bien les, les résistances des pilotes qui diffèrent. Hein. Lui peut, lui peut faire beaucoup moins de d'acrobatie, de, on va dire, que, que ses copains. qui fait lui pas facile hein, de, de tirer sur un avion en volant hein. clairement hein. Partir du principe qu'il va probablement pas faire un mouvement aussi fifou que ça. On va essayer de perdre un petit peu en G. Si je coupe le moteur, ça ne change pas grand chose à ma trajectoire. On va jouer la sécurité. Alors, ici, lui il est en train de faire demi-tour. Lui il est en train d'aller aux vaches, comme on dit. On va se préparer à potentiellement focus celui-là. Et toi mon cher, pareil, est-ce que tu peux y aller un peu plus fort Non pas trop. où est-ce que tu peux y aller un peu plus fort Pas trop non plus. C'est parti. Ah il a continué d'aller dans l'autre sens. Je l'avais pas vu comme ça. Je pensais pas qu'il ferait un truc pareil. C'est l'envers là. Ouais. Je suis complètement de dos. Euh, je suis complètement de ventre. Euh, du coup, on va peut-être... Tenter d'affronter celui-ci plutôt Peut-être moyen de lui faire une phase de tir pas dégueu à celui-là. Alors attention à ne pas perdre trop de vitesse non plus, hein, même si là on est quand même plutôt en mode plané. Lui est en train de se placer pour nous arriver dans le dos, donc il faut qu'on se méfie quand même. Donc nous on va aller chercher ce coco, s'il te plaît. Tu vas euh, ouais, faire un mouvement un peu bizarre comme ça, tu ne peux pas te redresser plus de toute façon. Pas hein. une phase de vol. Un petit peu de un petit peu de, de, de l'envers. Euh, jamais très bonne idée l'envers. Il nous tire dessus, le salaud. On lui coupe sa trajectoire. Vu, euh, vu la vitesse, ça va probablement rien donné. Je pense pas là qu'on arrivera à lui choper un angle de tir, mais on va quand même tenter de tirer un peu. Ici par contre, on a peut-être moyen de réussir un truc intéressant. Si on peut finir globalement orienté vers lui. Alors pareil, hein, ça reste que des estimations, hein. c'est. Est... phases de mouvement. Hein. Il est... Euh, ils ne sont pas du tout obligés de suivre le... De suivre cette trajectoire. C'est l'estimation de la trajectoire. Euh... C'est compliqué au clavier, là j'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà, on a perdu un petit peu de. On s'est quand même fait toucher un peu trop loin, ils sont trop loin. Là, euh... <laughs> on n'est pas passé loin quand même. Bon, là, il faut, qu on, il faut vraiment qu'on rétablisse parce que prend beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher en G. Il faut qu'on rétablisse un petit peu notre, notre vol avec lui. Donc, on va se calmer sur la suite. Lui, il est en train de se mettre dans notre dos. C'est franchement un beau mouvement pendant qu'on s'occupe de ses copains. Non, je ne vais pas forcément tirer encore que. Ouais, si, je pense que je vais peut-être tirer. Mettant half. Lui, il est carrément à l'envers. Donc, on va peut-être se placer un peu pour intercepter le copain derrière là. On va pas encore les balles toucher l'eau le, donc c'est qu'on est encore relativement haut. Ça va. Ouh, il tente des trucs lui là. vraiment faire un, un move comme ça là oh, non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc là on est en train de prendre des jets parce qu'on est. Euh, on est en train de chuter euh, avec, le, avec notre sur le ventre. Hein. J'aimerais quand même réussir à m'orienter un petit peu par là sans que ça me coûte trop cher. Voilà. Et toi du coup, t'as récupéré. Vas-y, prépare-toi à faire le tour. Et ici, euh, ici on a potentiellement, on peut faire mal là. Ah il faudrait beaucoup plus vite que je m'y attendais. Ils sont quand même agiles hein, les... les foutus ma chers hein. Ils ont pas peur de prendre du jet comme des gros sacs on va dire. Quasiment sur lui là. Ouais. On va se permettre. Ici. Le combat contre plusieurs avions peut être extrêmement long, donc je, je pense que je ne vais pas le, le faire jusqu'au bout. L'objectif, c'est de vous montrer un peu ce que vous pouvez vous attendre, mais on est sur des, sur des batailles tactiques qui peuvent facilement durer une heure, si ce n'est plus. Quand il y a beaucoup d'avions, quand il y a des stucas avec des mitrailleuses à l'arrière, etc., ça peut être extrêmement long. Là, on est parti en mode looping de la, de la folie avec lui. Là, euh, s'il continue son looping, on a peut-être une bonne chance de l'avoir. Ici, en train de faire un peu pas grand-chose de très utile et on prend quand même assez cher. Après, notre, euh, là, il est en train de se préparer à nous intercepter pendant que son pote nous occupe. Notre fatigue euh, se vide petit à petit et au bout d'un moment, on devra, euh, on devra se replier. Allez, on va suivre le copain tout seul là. Je pense qu'il va se faire avouer par lui. Ok, il y a quelqu'un qui a pris des dégâts. Qui Jemayer. Lui, on a réussi à lui mettre une balle bien placée. Ah oui, juste là sur l'aile là. Dire. Il est en train de tirer sur quoi Il est beaucoup trop loin. Ah oui, si, peut-être là-bas. Ouais, c'est vrai qu'il y a un angle. Allez, on l'a touché. Ok, c'est là qu'on l'a touché. On l'a touché un peu ici, mais on voit bien l'impact là qui nous dit euh, c'est ici que tu lui as mis euh, une petite fessée. Du coup, là, on commence à voir un peu sombre. Malheureusement. <laughs> <laughs> en plus, notre vitesse se casse la gueule. Euh... Non, non, on va continuer de viser celui-là. Il y, y a moyen qu'on... Ouais, non, là, on va décrocher. Si je coupe le moteur, on va décrocher. Déjà qu'on est à l'envers. Par contre, on va continuer de, de l'avoiner. Hein. Ouais, là, on le garde très longtemps dans notre zone verte, là, c'est parfait. Ici on va pas aller se cracher dans la flotte. On va se préparer à réangler notre cible. Pareil là, il va falloir qu'on revienne dans la bataille à un moment parce qu'on est parti vraiment très loin. Notre copain tout seul il va pas s'en tirer. Il est déjà pas très frais. Ouh, on a réussi à lui mettre un dommage critique. Lui, donc lui c'est terminé, il est devenu gris, il n'y a plus personne. Ok, parfait. On s'en est fait un. Suivant, ce sera toi. Ce sera toi, mais on va arrêter ici euh, cette découverte. Hein. Donc vous avez un peu pu voir à quoi ressemblait le jeu. Hein. Donc on n'a pas pris de dégâts sur nos avions, mais on a toute une notion de d'emplacement de, des dégâts, euh, des dégâts graves, des dégâts moins graves. On peut perdre des morceaux. Euh dans la capacité sur l'avion et puis bah là vous avez vu hein, on a on a eu un, un tir en plein sur sa sa verrière donc on a réussi à se le faire direct enfin direct après 30 minutes de, de bataille quand même mais on a réussi à le tuer euh, instantanément alors que son avion était quand même plutôt en état donc il va aller se, se vautrer dans la flotte et il nous en reste deux s'ils décide de ne pas fuir puisqu'ils peuvent décider de fuir J'imagine que ça, c'est les moments où on a tiré, où ça a touché, qui doivent coller à, à ces impacts-là. J'ai pas l'impression que lui nous a tiré dessus cette fois. Quoi qu'il en soit, voilà pour la présentation de Scramble Battle of Britain. Donc vous voyez qu'il y a du contenu, il y a des heures à y passer si vous aimez le jeu. Euh, c'est pour ça que je disais que le, le prix peut se valoir si vous aimez le jeu, mais il faut vraiment aimer euh, le, le concept, quoi. Aimer y passer des heures. Je me lancerai peut-être dans une campagne quand la campagne sera disponible. A la base, je pensais éventuellement faire euh, une série sur le, le Squadron Leader, là, mais c'est pas non plus hyper intéressant. Enfin, on va enchaîner des batailles euh, comme ça. C'est le cœur du jeu, hein, mais. Euh... C'est pas forcément hyper fun à, à montrer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en voir plus, si ça vous plaît à regarder, hein, si c'est intéressant à regarder, à montrer, voir les, les tactiques, etc. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé. Euh, et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde